Nous avons donc Power Wash Simulator ici présent, bien sûr. On avait fait la carrière, mais cette fois-ci, nous allons aller dans les offres spéciales et dans Warhammer 40K, bien évidemment. Merci beaucoup, Milo, pour le 9e mois. Merci. Merci, merci. Et j'ai mis cette phrase dans le titre parce qu'elle est exceptionnelle. Parce que donc, on va accomplir des rites de nettoyage en tant que technoprêtre de l'Adeptus Mechanicus, nous-mêmes. Technoprêtre, aujourd'hui, bien évidemment. Et attention, la saleté est temporaire, mais l'honneur est éternel. Évidemment. L'honneur, la guerre, la bataille, Warhammer 40K, évidemment. La saleté est temporaire, nous sommes là. Bien sûr, l'honneur est éternel. C'est le mot du jour. Nous voici donc. Faudra peut-être que je monte un petit peu le son, mais pour l'instant, il n'y a pas de son. En soi, le son sera le son du nettoyage. Peut-être qu'il y aura du son en plus, je ne sais pas. Mais écoutez. Nous allons commencer. Prêtresse du nettoyage, exactement. Techno-prêtresse du nettoyage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes une techno-prêtresse de l'Adeptus Mechanicus. Il faut dire tout le titre en entier, sinon ça perd de sa saveur. Évidemment. Commençons, bien sûr, direct 200 balles. Non, on aime bien. Commençons donc par le Land Raider au Temple Forge de l'Anneau de Feu sur Mars. Let's go. Allez, c'est parti. Tous les jours. Moi, tous les jours, j'y vais. Je suis devant un truc, je suis devant le texte. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, attends, technoprêtresse, je suis votre supérieure. Magos Pertinax. Pourquoi je. Pertinax? Pourquoi je fais l'accent espagnol? Je ne sais pas. Magos Pertinax Pius. Il est de votre devoir sacré de purifier les illustres machines de l'Imperium afin d'apaiser l'esprit de la machine et d'éliminer toute souillure, évidemment. C'est pourquoi vous serez affecté au Temple Forge. 48 759. Pourquoi c'est si dur de dire des chiffres à la suite? Je ne sais pas. Sous la supervision du Technogur Tyro 658, 656, et qu'une arquebuse MK2 Aquasantica vous sera attribuée. C'est vraiment le nom du pistolet à eau. Je ne possède pas un maigre pistolet à eau. Je possède l'arquebuse MK2 Aquasantica. Pour votre première mission, un puissant Land Raider des Ultramarines de l'Adeptus Astartes vous attend. Même si je reste dubitatif quant au fait qu'un novice tel que vous puisse accomplir des rites sur un véhicule si vénérable, je me remémore, oui, bien sûr, Marie. L'orthographe, la prononciation, la langue française, bien sûr. Je me remémore les paroles que l'Archimagos Fulcanellus a dit. Il a donc dit, une fois forgé, le fer devient l'épée. Évidemment. Espérons que cela s'applique à vous. Bien sûr. Donc, il y a mon visage devant, mais voici donc l'arquebuse Aquasantica MK2. Elle est là, elle est présente, elle est magnifique. Beautiful. J'ai. Attendez. Pourquoi j'ai remis le truc du potager? J'ai voulu juste enlever. Où est le truc du potager? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça? Non plus. C'est ça? Non plus. Ah, voilà. Non, vous n'êtes pas là aujourd'hui. Vous n'êtes pas là, il n'y a que moi pour vos beaux yeux. Et bien évidemment, j'allais dire le Magos Pertinax, mais non, ça c'est notre c'est notre supérieur, bien évidemment. Non, quelle est cette machine? Quelle est cette machine? Le Land Raider, bien sûr, tout simplement. Tout simplement. Il a l'air dégueulasse, hein, ce Land Raider, il va falloir le purifier des esprits, bien sûr. Eh ben, c'est parti. On est parti. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. En ce moment, ça va super bien. La vie est belle. Il fait beau? Non, il fait pas beau, mais il fait jour. On est bientôt en mars, c'est bientôt le printemps. Et ce Land Raider est dégueulasse! C'est bien l'extraordinaire docteur Lafort? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis une technoprêtresse, s'il vous plaît. Quand même. Ramasser, placer l'équipement. Ah oui, ça c'est pour monter. Bah oui, effectivement, il est imposant ce. Mais je peux pas monter dessus de moi-même? Ah non, il me faut vraiment l'équipement. Donc, si je me rappelle bien les touches, ça c'est pour voir la saleté. Ouais, c'est dégueulasse. Je reconnais, c'est dégueulasse. Et donc là, normalement, je peux changer les embouts. Ok. Ah oui, on a tout, on a tout. On va commencer avec ceci et puis on va voir. Ouais, un beau Land Raiden, ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Maintenant, il est dégueulasse. Hein. Totalement dégueulasse. La subdivision du plan du véhicule a été envoyée à vos systèmes optiques. C'est fort aimable, ça. Fort sympathique. Est-ce que vous entendez la douce eau qui sort de notre magnifique... C'est quoi le nom déjà ? MK2, à quoi quelque chose de notre... Ouais, voilà. Entendez-vous le doux son ou est-ce qu'il faut que je l'augmente ? Je crois que vous l'entendez un tout petit peu, mais moins que la musique. Après, le but, ce n'est pas non plus que ça vous éclate les oreilles. Parce que, dis donc, il est haut, ce... Il est haut ? Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Travailler systématiquement sur les contaminants localisés ? Oui, bien sûr. L'analyse des détritus pourrait fournir des données importantes sur les capacités adverses. Il est vrai, totalement. Oui, oui, bien sûr. En analysant les détritus, on va pouvoir totalement voir comment l'armée se déplace. Voilà. La composition de la saleté sera examinée, enregistrée, bien sûr. Bien sûr. Je ne cache rien. Je ne cache rien. C'est magnifique. J'augmente. Vas-y, je vais augmenter le doux son. Ah, mais attends, mais... Il y a de la musique ? Tonalité dans... Ah, mais attendez ! Ça va peut-être être un peu glauque. C'est un peu glauque. Peut-être un peu glauque. Mais là, je crois que ça va vous péter les oreilles. Préparez-vous. Non, ça va. Non, ça va. Mais c'est un peu... Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sympa, là où on se trouve. Franchement, c'est agréable comme endroit. Je pourrais y prendre le thé. Comment dire ? Non, mais on est bien avec notre ambiance chill aussi. La tonalité d'ambiance, c'est ça. Volume de l'ambiance. Moi, franchement, je propose de rester doucement dans notre ambiance aussi. Voilà. Tout est possible. Après, on va vous laisser l'ambiance pour la rediff. La rediff, ce sera glauque. Hein. Évidemment. Mais vous allez me dire, on va nettoyer ceci un petit peu. Et si au bout d'un moment, le son de la flotte, vous avez... Enfin, c'est de la flotte sacrée, bien évidemment, nous purifions le véhicule. Mais si c'est trop, vous pouvez bien sûr me le dire. Et je baisserai le son de cette magnifique machine. Parce que c'est vrai que... Alors attends, non, je mets un plus petit. Voyons voir la saleté. Ah, c'est dégueulasse, hein. Ouais, ouais. Attends. On va... C'est les rayures que je dois nettoyer. J'arrive même pas à voir la saleté tellement il y en a. Voilà. Ou alors, est-ce que je passe sur la totalité et après on fait les détails ? On va peut-être faire ça, ce sera plus logique. Merci beaucoup, Zoufa ! Merci pour les 14 mois. Le temps passe vite, hein. Il est vrai. Le temps passe très très vite. Alors. Continuons. Le nettoyage. C'est déjà trop fort rien que pour moi. Je vais baisser rien que pour moi le son. Parce que sinon, ça va me... Je vais entendre le son de cette eau sacrée, si puisait bien sûr, totalement. Je vais l'entendre dans mon sommeil et je ne vais jamais dormir. Bien sûr. Alors. On est parti. Nous sommes partis. Attends, il y a vraiment... C'est-à-dire qu'il y a tout le derrière aussi. Ouais. Mm-hmm. Il y a le côté. Et après, j'imagine, il y a le dessus aussi. Bah ouais. Ouais, totalement. Comment je tourne ceci, comme ça ? Comment je m'accroupis comme ça ? Incroyable. J'ai toutes les touches. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, nous avons du temps devant nous. Hein. Le temps que nous nettoyons, bien sûr. Donc, nous sommes là. Nous sommes là. J'en suis où, Dakota ? J'en suis au milieu du dernier. C'est long. J'aime pas le perso principal du dernier. Elle m'exaspère. Et le plot... il y en a moins dans le dernier. Mais je veux quand même le terminer parce que c'est pas le tout dernier, tout dernier. Il y en aura d'autres qui sortiront et je peux être à la page. Mais j'aime moins que les autres. Mais je l'écoute en audio. C'est trop bien, les livres audio. C'est ma nouvelle passion. Attends, ça a l'air clean, ça ? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Mais on va faire d'abord grossièrement un peu tout. Ah, mais attends, il y a le nom des trucs en haut à droite. Canon laser, tourelle de canon laser, blindage de chenilles externes, évidemment. Évidemment. Ah oui, ça, c'est moi qui suis accroupie. On peut du coup nettoyer tout ce qu'il y a en bas. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. C'est parfait, le son ? Magnifique.
Enfin, je sais pas si tu parlais du son ou juste de l'ambiance en elle-même qui est parfaite. Dans les deux cas, je te remercie. L'ambiance, c'est très important. Bien sûr. Bien évidemment. C'est moi ou ça nettoie pas? Ça nettoie pas totalement. L'eau sacrée n'est pas si sacrée que ça. Hein. C'est de l'eau sacrée, mais faut quand même faire plusieurs passages. Hein. Comme quoi, même l'eau sacrée... Voilà. Faudra que je repasse avec un truc pour faire les finitions. Oh là là, mais oui, totalement. Waouh, hein. Wow. Il va falloir faire des finitions. Mais d'abord, on fait le gros du travail, bien sûr. Mm-hmm. Je peux me reposer en regardant le live? Mais bien évidemment. Bien évidemment, hippie. On est bien, là. Là, il y a bonne ambiance et tout. On a la musique chill. Nous avons l'eau sacrée. On est bien. Par contre, comment ça, ça nettoie pas ça? Faut peut-être que j'utilise l'équipement. L'équipement, ici présent, je peux monter sur le... Ah, incroyable. Magnifique! Ah, faut nettoyer les tuyaux aussi. Ouais, ça va prendre un moment, ces tuyaux, fais voir. Ouais, bah ouais, hein. Forcément, ils sont stackés. Mais c'est pas grave, le gros du travail. Nous allons tout faire grossièrement, et après on va repasser. Voilà. Attends, mais comment je fais pour aller là-haut? Je peux monter sur l'équipement et ensuite monter sur... Attends, je peux monter à l'échelle! C'est-à-dire que c'est fait pour, c'est une échelle! Non, non, ils veulent que ce soit compliqué. C'est ok, si je prends l'équipement et que je le mets sur le devant, est-ce que je peux... Oh putain, c'est dégueulasse. Non, attends, on va commencer à faire le bas déjà. Oh là! Bah ouais, hein. Tu n'es pas dans un très bon état. Il y a un peu tout, là. Il y a la terre, le sang des ennemis, l'honneur des ennemis, il y a tout là-dessus. Hein. Par contre, il est intact, hein. Il n'y a pas une seule écorche, il n'y a que de la saleté. À croire qu'ils l'ont enterré et déterré. Salut Evo, comment va? Et ouais, t'as vu le crossover parfait? Power Wash Simulator, Warhammer 40k. Personne n'y avait cru. J'y crois toujours pas. Mais pourtant, nous sommes là. Il a fait la guerre, ce bestiau. Ah, il a bien fait la guerre. Mais ça se voit. Mais c'est ok. Une fois qu'il sera nettoyé, il pourra repartir à la guerre. Grâce aux grandes technoprêtres, technoprêtresses comme moi-même. Pense pas à eux, hein. C'est moi où j'ai l'impression que ça nettoie pas. Ouais, c'est parce que ça nettoie pas. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de commencer Crescent City, c'est le prochain que je lis, moi. Mes deux copines canadiennes, elles me disent que c'est... insane. Que c'est le meilleur de tous, apparemment. Attends, si je monte là... Ouais, c'est bon. Incroyable. En fait, c'est comme ça, et là, du coup, fais voir le haut. Mais on en a pour un petit moment, là. Ok, non, pas là-haut. D'abord, on va faire d'abord le bas. Il faut un plan d'attaque. Il faut un plan d'attaque. Il faut d'abord faire tout le tour. Et après, on fera le toit. Terminez votre mission. Alors oui, c'est-à-dire que oui. Je suis en plein milieu de la mission, là. J'ai à peine commencé. Il est dégueulasse, aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attends, il y en a vraiment jusque-là? Mm-hmm. Il ne doit rester aucun résidu du censuré profane, de censuré identité non confirmée sur le Land Raider des Ultramarines. Ouais, bien sûr. Ouais. Aucun résidu de censuré, on dirait un SCP le truc. Il censure même le nom de la saleté. C'est ok, on le purifie. On est en train. Un des meilleurs jeux. Eh, franchement, moi ça m'apaise le cerveau. Ce jeu m'apaise le cerveau. Ça fait un truc. Je sais que je le dis à chaque fois que je joue à Power Wash Simulator, mais c'est vrai. Il y a vraiment une satisfaction. Là, bon, on est au début. Mais une fois que ça commencera à être clean, et après il va y avoir une timelapse de tout ce que j'ai nettoyé, c'est exceptionnel. Alors attends. La rampe, il me dit que j'en suis...
qu'il y a encore des trucs sales. Mais je pense qu'il y a le devant et le derrière de la rampe aussi. À moins qu'il y ait... Non, parce que je m'en sors bien quand même là. Elle est pas mal ma rampe. Mais il y a encore de la saleté apparemment. Attends. Prenons quelque chose de plus petit. Est-ce que là... Ah, ça nettoie mieux. Voilà. Elle est parfaite ma rampe là. Et vite fait, c'est un détail ça. On est vraiment sur du détail. Peut-être que ça veut dire qu'il y a... Ah, j'avais pas vu ça. Et pour te dire à quel point j'y croyais pas de la fusion de ce deux univers que j'écoute le live au travail. Je comprends. Ah mais le crossover est... Il est fou. Il est inespéré. Attends, mais il faut vraiment que je me mette dans des endroits... Voilà. Je veux que cette rampe soit parfaite, s'il vous plaît. Après, je sais pas si ça inclut le haut de la rampe aussi. Parce que là, elle est quasi nickel. Sauf peut-être là. Ouais, non, là, elle est dégueulasse. Là aussi, sur ces côtés-là, c'est dégueu. Voilà. Il y a la barre de progression en haut à gauche. Et s'il y a encore du blanc, c'est la saleté. Et le bleu marine, c'est tout ce qui est propre sur le truc. Donc il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Mais je pense que... Ouais, il doit y avoir le haut. Attends, je suis accroupie depuis tout à l'heure. Ouais, ça doit être ça. C'est encore considéré comme la... Ouais, non, c'est juste ça, je pense. C'est juste l'arrière. Je veux que la rampe soit parfaite, s'il vous plaît. Au moins ça. Hop. Il reste un millimètre. Oh, magnifique. Ok. C'est bon. C'est bon, on a nettoyé la rampe. Oui, il y a tout le reste du bordel, mais... La rampe, regardez-moi cette rampe. Magnifique. Exceptionnelle. J'avais même pas besoin du truc en fait pour monter dessus. Oups. C'est marqué dessus Ultramarine ? Ultramarine 2, évidemment. Évidemment. T'inquiète. On s'en sort bien. J'avais dit d'abord le bas, hein, et je monte et je fais le haut, mais je... Le premier mort de la guerre, c'est le plan. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. C'est vrai en plus. Ah! Cadre. Ah oui, on peut aussi nettoyer les cadres. Oui, bien sûr. Voilà, magnifique. Me gusta. C'est quoi mon top 3 jeux vidéo de 2024? J'ai pas de top 3, j'en ai qu'un. Attends. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Des jeux sortis en 2024? Non. J'ai joué quasiment qu'à World of Warcraft en 2024. J'affléchis, mais... Oh! Attends, ça aussi on doit nettoyer? Non? Sigil du cadre de la trappe d'assaut, oui! Il est propre, là! Ah, peut-être que ça comptait pour les deux. Attends, trappe d'assaut. Ouais. Vas-y, on va nettoyer la trappe maintenant qu'on est là. Hein. Tant qu'à faire. Oh, oui. Oui, oui. Charnière aussi, ouais, 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 bien sûr. Après, on redescend. J'avais dit que d'abord, je faisais en bas, mais... En fait, ça m'attire à l'œil. Ok. Non. Non, d'abord, on fait juste ça, et après, on redescend. Sinon, on va pas s'en sortir. Oh, mais les détails! Les détails. Ok. Normalement, avec ça, on peut faire les détails. Normalement. Mais c'est où World of Warcraft? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'admets, c'est un jeu assez particulier, mais disons qu'avant, je jouais beaucoup plus et j'avais plus de temps pour tester d'autres jeux. Maintenant, je joue juste le soir. Donc, je joue à mon jeu et puis voilà. De temps en temps. En live, en fait, on teste d'autres jeux. C'est comme ça qu'on a testé Power Rush Simulator avec Yuno. Parfois aussi, on joue à Mario Kart. Parfois, on joue à Dead by Daylight, ce genre de choses. Mais c'est en live, disons. C'est pour... Ah! Merci. Attends, la trappe, c'était juste ça? Non, mais ça, trappe d'assaut. Ouais, ça, il y a encore de la... Vite fait, de la poussière, là. Enfin, de la poussière. Pas de la poussière. Mais...
Ouais, en live, on essaye d'autres jeux et tout, mais sinon, c'est vrai que de moi-même, Yuno, elle pourra peut-être plus vous faire un top 3, top 5 et tout. Moi, je joue qu'à un jeu, donc forcément. Attends. Il y a encore de la saleté là, mais ça m'a dit que c'était nettoyé. Attends. Il n'y a quasiment plus rien. Ça. Je vais juste faire la trappe. Et après, on redescend. Je sais pas si... Non, ça c'est pas la trappe, ça. Ça. Attends, monte. Il y a quasiment plus rien, il exagère. Franchement, il est parfait, ce vaisseau. Enfin, non. Juste le devant du vaisseau. Juste la trappe, pour l'instant, est parfaite. Ah, là, peut-être? Ouais. Voilà. Ah non, ça, c'est un truc encore différent? Bah, attends, mais elle est parfaite. À moins que ce soit là? Ouais, c'est ça, d'accord. Eh, pourquoi je peux plus... Ah, j'étais trop... Mais, je suis dans un endroit où je peux pas... C'est-à-dire que... Attends. Eh ! C'est technique en plus. Faut trouver les bonnes positions. Merci. Oh, incroyable. On est bien. À la précision. Non mais j'y reste tout ! Mais la plaque est parfaite. Le devant là, il est beautiful. Le reste est absolument dégueulasse. Mais... Je sais pas si... Je préfère faire les choses une par une en fait. Je m'en rends compte. Mais en fait... Là, attends... Blindage de chenilles externes, en fait, c'est tout le truc. Chenilles, ouais, ouais. Est-ce que de l'autre côté, c'est un autre blindage de chenilles externes? Ouais, ça, c'est un autre. Ok. On va les faire un par un. Reprenons quelque chose de plus large. Ouais, on avait fait des tags dans Power Simulator avec Yuno. Mais c'est parce que là, on commence par un véhicule, mais c'est possible qu'après... Parce que Il y a plusieurs missions, c'est pas évidemment que ce véhicule. Mais, après, plus ça va, plus c'est long à nettoyer. Là, c'est vraiment la mission la plus simple. La plus simple. Et le truc, c'est qu'il faut être précis. Donc on peut y être pendant un moment. Ah, mais même sur les marches! Attends, c'est quoi le bouton? Là. Ah ouais, vraiment, tout est dégueulasse. Est-ce que c'est suffisant, cet embout? Oui. Hop, ça dégage. Ça dégage. Le problème, c'est que... Je ne peux pas sauter plus haut. Faut nettoyer depuis le haut. Je pense que c'est ça. Parce que là, ces marches-là, elles sont bien. Mais là-haut, comment j'atteins ça? Je dois être en haut. Oh, mais les détails. Oh là. Ok. Non, ça me stresse, faut que je finisse les marches. Attends. Je saute. Merci. Oh là. Oh là! Alors, juste les marches pour l'instant, s'il vous plaît. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Elles sont là. Attends. Et faut que je tourne ça. Maintenant, il n'y a que celle du haut que je peux faire. À moins que si je me mets sur le côté, le but étant de ne pas glisser, évidemment. Je tourne ça. Non, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais vite fait. Je suis au carrois, je me sens en totale immersion dans le gameplay. Alors, il y a différents types de voitures. Il y a des Land Raider et il y a des Peugeot, quoi. Mais je suis pas sûre que le carrois avec ça... Alors, si c'est des pièces de 2 euros que tu dois mettre à chaque fois, je pense que t'en as pour un moment. Mais il est vrai. Je vais rester là-haut sans regarder là-haut parce que sinon ça va me stresser. Mais je vais essayer de nettoyer le plus de trucs possible depuis là-haut. Ouais. À peu près. À peu près. Je pense que... Non, pas du tout. Le reste, on pourra le faire depuis en bas. Je ne veux pas glisser, s'il vous plaît. Je ne glisse pas. Ah ! Merci bien. Magnifique. Et les marches, bah écoutez, on va... Et !
Franchement, non, il n'y a que celle du haut. Ah, mais attends! Ok, je pouvais semi-glisser avant que ce soit... Ouais. On est d'accord qu'il n'y a quasiment plus rien sur les marches. Ah non, il y a des trucs. Ou alors, bah, tout simplement, je saute et je lave. C'est un peu vomitif, mais c'est pas grave. Le résultat est là. Finalement, est-ce que c'est pas juste le résultat qui compte? Hop! Fais voir. Plus de saleté, incroyable. Incroyable. 10 sur 10. Mm-hmm. Elle a changé ta cactus. Écoutez, j'avais besoin de quelque chose de plus imposant. On me laissait pas passer dans les ronds-points, je me suis dit, écoutez, au moins là, je pense que... Bah, si je m'engage, les gens s'arrêteront. Franchement, ce serait beau. Ce serait beau de voir ça. Et si jamais ils s'arrêtent pas, bah, ça tombe bien, il y a des canons. C'est fait pour ça. Enfin non, c'est pas fait pour ça, mais ça peut être utilisé pour ça. Ah, le petit insigne, je prends. I take. Je ne sais pas ce que je... Non mais... Scoop. Non mais le bordel qu'il y a dessus... Je n'arrive même pas à distinguer la saleté de pas la saleté tellement c'est dégueulasse. C'est terrible. Ah, merci. Ok, lui il est bien. Par contre le deuxième... non. Le deuxième pas du tout. Merci beaucoup. Merci Josh pour le Prime. Merci. Bienvenue. Mode de visée alternative, ça peut être une bonne alternative. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah! Ah! J'avais pas ce bouton, ça. Ah, c'est pas mal, ça! Mode de visée alternative. Ah ouais! Ok, un autre univers se débloque pour moi, là. Incroyable. 10 sur 10. Incroyable, je suis désormais une tourelle automatique. C'est magnifique. Je tourne ceci. Voilà. C'est beau. Ok. Par contre, il faut que je me mette un peu plus par là. Ça reste dégueulasse de partout, mais... C'est mieux. Attends, mais le truc, c'est que... Comment je me mets de l'autre côté? Attends, derrière, peut-être. Il y a des trucs, mais comment je nettoie le bout du tuyau qui est collé? C'est une bonne question. Salut Loops, comment tu vas? Hello! Bonsoir. Merci beaucoup Darkwolf pour le gift sub. Merci. Trop gentil. Trop de gentillesse. Ah! Ok. Il y a 2-3 trucs qui sont nettoyés, mais... C'est déjà mieux. Merci beaucoup Vite Bambou pour le resub. Merci. Trop gentil là. Vous allez bien tout le monde? Comment se passe votre... Mardi. Nous sommes mardi. Je suis confuse parce qu'on a fait la parenthèse dimanche. Donc moi, là, pour moi, on est samedi. Mais non. Mais on est 2 jours après parenthèse. Ok. Je suis obligée de regarder la saleté littéralement. Ah mais non, là tu veux pas. Ok. Littéralement tout le temps, parce que je me rends pas compte. C'est ce qui est noir sur le gris qui est sale. Mais c'est vraiment subtil. On va dire. Je repasse 3 fois au même endroit aussi, voire même 18 fois au même endroit. Attends, ça je vois, ouais. De ce côté, quasiment tout est bon. Ah! Non, pas ça. Voilà. Magnifique. Merci Félifou. Merci pour les 52 mois. Bonsoir. Aïe. Tu voulais partir en rando à cette heure-là? Il fait nuit dans 1 heure, hein. Bon, allez, peut-être 1 heure ou 2. Et au moins 1 heure et demie, un truc comme ça. Merci beaucoup, Vavax, pour le 5e mois. Je vais y arriver.
5, Marie. Le chiffre 5 et non pas le chiffre 4. Tu connais. Je pense qu'il faut que je prenne un pistolet plus petit. Là, ça ne marchera pas. Ouais, il me faut quelque chose de... Hop! Voilà. Il me faut plus de précision. Voilà. Et c'est compliqué. Eh. Pas si simple de nettoyer, en fait. Pas si simple. Merci, Dark Wolf. Merci pour les 3 mois. Bienvenue. Incroyable. Quelle heure il est? À 18h, faut que je prenne des vitamines. Si jamais. J'en ai 3 à prendre. Mais normalement, c'est à 18h. Non, mais... C'est vraiment au millimètre. Attends, si j'appuie sur B. C'est au millimètre. Ok. Ça n'a rien nettoyé. Comment ça, ça n'a rien nettoyé? J'ai l'impression que ça passe pile dessus. Mais pas du tout. Ok, c'est pas grave. Là-haut. Attends, il me faut ceci. S'il vous plaît, l'équipement. Je souhaite l'équipement. Je souhaite placer... Pourquoi je ne peux pas placer l'équipement? Parce que c'était trop proche. Non, non, j'ai besoin de l'équipement à côté, s'il vous plaît. C'est quoi le plus proche pour eux? Oh, c'est là! Oh, c'est là! Ça m'aide pas, hein! Ah, quoique. Ça m'aide un peu. J'ai rien dit. Ça m'aide un petit peu. Ah, le souci du détail, on est obligé, hein. Ah, merci. On est... À partir du moment où quelque chose est nettoyé à 95%, il t'offre les 5 derniers pourcents, et ça, c'est beau. Non, ça ne marche pas. Même avec le... Ah non, ça par contre, je peux. Ça aussi. Ouais. Tout ce qui est au-dessus, maintenant, je peux. Ah, merci. Par contre, le haut, je sais pas comment je vais faire. Blindage de canon laser. Là, ça... Je sais pas. À moins que en dessous? Non, c'est déjà nettoyé, ça, en dessous. Il y a vraiment ça, là. Oh. Oh, alors peut-être. En étant allongé. Ouais. De mieux en mieux. Oh, c'est quasiment bon. Attends, non, il me dit qu'il y a encore plein de trucs qui sont sales. Mais attends, ça veut dire que c'est pas... Ouais. À l'extérieur aussi, ouais. Peut-être en haut, en fait. Parce que là, en bas, on a l'air bien, hein. Ouais, vite fait, mais c'est un détail. Ok, le détail a été nettoyé. Ah, ça! Ok. Dans le blindage, il doit y avoir un... Oula! Oula. Je voulais pas sauter aussi haut, doucement. Attends. Ah mais attends, c'est ça? Non. C'est considéré comme le blindage, ça? Je pense que ouais, hein. Attends, on va aller revoir là-haut. Comment je sprint? Comme ça. C'était pas vraiment un sprint, ça. Ouais, vite fait. Attends. Voyons voir. Blindage... Non, ça, c'est la tourelle. Et ça, c'est le blindage. Attends, mais je peux juste descendre sur la tourelle, je suis débile. Il y a un truc, là? Non, ok. Ok. Oui, je bouge mon visage alors que l'écran ne bouge pas, je sais. Je sais. Ok. J'aurais pas tout, mais c'est pas grave. Là... Non, ça c'est le blindage de la chenille. Évidemment. Bon, on va quand même le faire, parce que comme ça c'est fait, on n'aura pas à remonter. Même si on remontera après. Ça c'est bon, ça tout est nettoyé là-dessus, fort bien. Attends, si je descends par là. Tout doucement. Si je descends là, on est d'accord que ça, c'est de la saleté. Ouais. Mm-hmm. C'est pas encore tout, hein.
c'est la base. Je loupe un endroit là. Parce que tout est parfait. Mais... Ouais. Oh, ok. Ah non! Non, il y avait un truc là-haut. Non, il y avait un truc là-haut. C'était donc ça. Là. Ouais, il y a tout ça, d'accord. Ok. Si je saute et que je fais B. Non, ça marche pas. Ça ne marchera pas. Attends. On va essayer de remonter. Alors. Attends. J'ai vu où était le point faible. Est-ce que je peux me glisser? Voilà. Voilà. Magnifique. Ah mais non, là je peux pas. Là je peux nettoyer là. Mais pas ici. Ah, ok. Parce que là il bloque. Je suis trop près du mur. Non. Et il est compliqué ce truc. Et il y a le même de l'autre côté. J'ai l'échafaud à côté. Non, ça marche pas. J'ai pas pu monter dessus. Je n'ai pas pu monter dessus. Attends, mais non, mais je peux me mettre sur les canons, tout simplement. Si je me mets ici. Ah, non. Non. Attends. Si je me couche là... Pourquoi est-ce que... Ah. Délicat, mais... Amen. Ok, c'est bon. Regardez-moi ce canon. Exceptionnel. 10 sur 10. 10 sur 10. Maintenant. Trappe de blindage de chenille. Où en est-on? Ok, il y a juste des finitions. Les finitions. Non, j'ai pas d'échelle. Le seul truc qu'ils m'ont donné, c'est ceci. Attends, je suis accroupie. Cet équipement. Et je peux juste le déplacer, ça a pas l'air de se lever. Pourtant il y a une échelle, hein, mais je... Non, je n'ai pas le droit d'utiliser l'échelle, visiblement. Je n'ai pas assez d'honneur pour me mettre sur l'échelle, va savoir. Hein. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on s'en est sorti sans. Péniblement certes, mais... On s'en est sorti. Alors, on est d'accord que tout ça c'est de la saleté depuis tout à l'heure? Ouais, hein. Je me suis obligée d'appuyer sur le truc de saleté, mais c'est pour vérifier les finitions. Comme ça on aura fait tout un côté incroyable, et il y aura l'autre côté. Il y aura aussi le dessus, normalement pas le dessous. Mais écoutez, c'est une chose à la fois. Une chose à la fois. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ok. En fait, il y a plein de petits trucs partout. Mais je pense que... Mais attends, il me dit qu'on en est... que j'ai même pas nettoyé la moitié. Je pense même pas que c'est les finitions encore. Il doit me manquer un gros bout que je n'ai pas. Dit-elle en continuant les finitions. Mais au bout d'un moment, je le verrai peut-être, hein. Et l'intérieur de tous les trucs. Non, ça n'a pas marché. J'ai dit l'intérieur de tous les trucs. Déjà un peu mieux. Bon, après, s'il reste des détails, c'est pas grave, parce que les mini-détails, ça peut s'enlever après. Je suis captivée. Ça se voit ou pas? Je suis née pour ça. Me gusta. Il doit y avoir tout un endroit que je rate. Mais écoutez, pour l'instant, je suis bien sur mes détails. Ah! Non! Voilà. La marche, là. Je l'ai vue. Qu'est-ce qui me manque? Parce qu'il met quand même que j'ai fait que les deux tiers, alors qu'elle m'a l'air pas mal. Ah, mais attends, ça compte? Ah, si ça compte aussi. Attends, on va en prendre un plus gros. Quand même. Est-ce que je vais relancer le jeu totalement? Ah mais...
c'est le jeu parfait à avoir avec genre un livre audio là. Tu es juste dans ta vibe, c'est parfait. Ça c'est la chenille, oui on est d'accord. Mais donc on est encore là, et peut-être là-haut, ou alors de l'autre côté. Ça c'est encore... Ouais. Est-ce que là-haut... Ah mais d'accord, le haut est aussi compté. Je me disais bien qu'il restait quand même beaucoup de saleté dans le truc, parce qu'en haut à gauche j'ai la barre, hein. C'est pour ça que je dis ça me paraissait bizarre. Je comprends mieux maintenant, il fallait quand même aller en haut. Là aussi ça compte. Ah mais oui, mais en fait c'est dégueulasse ça. Moi je suis là à faire les petits détails alors que là c'est immonde. Oui, bonjour. Il y avait un logo en dessous, on en est là. Ok. Ça c'est bon, c'est plus... Ouais non, ça, c'est grille de moteur, machin, ouais. Ça c'est pas ça, mais on va nettoyer quand même. Le fumigène. Fort bien. Nettoyons donc ce fumigène. Il est là. Il était gris clair, ça se voyait pas. Ok. Ouais, faut vraiment faire tous les angles parce qu'effectivement il est dégueulasse. Je plisse les yeux comme si l'eau allait m'arriver sur la gueule, tu sais. Aïe, aïe. Alors. 37% nettoyé, le fumigène ou tout court? Tout court. Ouah, ça passe. Qu'est-ce que c'est 37% finalement? C'est bien fait, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'eau qui m'arrive sur la gueule. C'est bien fait. Ok. Je pense qu'il y a juste l'intérieur des canons. Hein. Ça doit être ça. Peut-être en plus petit. Ouais, voilà. Pourquoi c'est vert? Ah, c'est les réflexions de la lumière. Il reste 1%. Ça, là. Ça doit être suffisant. Non. Attends, il reste un micro-bout. Voilà. Non, il reste encore un mini pourcent, ça? Non, c'est pas ça? Il y a encore... Attends, peut-être en bas? Ah oui, oui! Magnifique! C'était pas ça que je voulais nettoyer de base, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Levons-nous et continuons, bien évidemment. C'est pas ça. Non, le blindage de chenille externe, évidemment. C'était ça de base que je voulais nettoyer. Ça, c'est le phare, mais... où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'arrête? Une bonne question, ça. En tout cas... Ouais, c'est encore ça, en fait. Attends. Parce que là, on a le phare, mais ça... C'est encore la chenille, évidemment. Ah, il est 18h. Il est vrai. Eh, le temps passe vite! Attends, mais moi je voulais en nettoyer 2-3 des vaisseaux, on va être là jusque 22h. On va être là jusque 22h, mais il faut que je mange à... 19h30, 20h grand max. J'allais dire on va accélérer la cadence, mais en fait c'est déjà ce que je fais! Je suis au maximum, la rapidité même! Je suis bloquée. Non, c'est bon. Ok. Ça, c'est encore la chenille externe, en fait, tout ça. J'aimerais juste finir cette chenille externe. Et après, je prends les vitamines. Là, ça doit encore compter. Ouais, ça, là, c'est dégueu, ça. Oui. Oh my god. Oh, c'est tellement satisfaisant, ça. Oh, c'est propre, c'est beau. Mais, pour augmenter la ferveur du rituel, un bref compte-rendu sur le récent déploiement du Land Raider vous sera communiqué... Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Évidemment. C'est fort sympathique d'avoir le compte-rendu. Merci bien. Par contre... Ça compte encore? Ah non, c'est le interne. Non, moi il me faut le externe. Il y a quasiment plus rien.
Il y a quasiment plus rien. Ah, mais je suis debout, là? Ok. Je pense que là, il va falloir que je fasse les finitions. Hein. Non, je vais prendre les vitamines, quand même. Parce que sinon, on y est encore jusqu'à un petit moment. Alors. Quand même. Une heure de stream, 37% du chat. 40% en... Ouais, effectivement, une heure, hein. Je ne suis pas très efficace. Cependant, je suis précise et, comme on dit, thorough, comme on dit, minutieuse, précise, au moins c'est fait jusqu'à 100%. Je ne sais pas quel est le mot. Il y a un mot précis pour ça. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Hop! Ok. Ça c'est fait. Perfectionniste, méticuleuse. Ouais, c'est ça, ouais. Pas mal. Ouais. C'est... j'aime bien perfectionniste. C'est la perfection à la fin. Exactement. Mon but, c'est qu'il soit parfait. Mon but, c'est que chaque recoin soit parfait. Ce qu'on doit retourner en guerre avec après. Enfin, on. Pas moi. Mais il doit retourner, évidemment. Alors, est-ce que c'est le moment où je fais les détails ou est-ce qu'il y a encore un énorme truc à laver? Là, il n'y a vraiment que des détails, hein. Attends, là-haut. Je regarde, il reste vraiment que des petits trucs, mais on va essayer. Oh, attends, en dessous! J'avais pas vu! Ah, en dessous... Ça, c'est la chenille? Ouais, ça, c'est la chenille. Je vais quand même le faire, parce que bon... Mm-hmm. Je n'avais point vu. Ok. Je pensais que ça aurait fait plus que ça, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Et ensuite, il faut vraiment faire tous les petits trucs, hein. Ouais. Regardez-moi cette précision. Faut que je prenne un embout plus petit. Est-ce que ça fait quelque chose que je suis en train de faire? Oui! Ça enlève quelques pourcentages, ouais. Attends, je vais en prendre un plus petit, ça m'énerve. 0 degré! Voilà! Soyons encore plus précis, encore plus méticuleux. Là. Précision. Non, ça s'est déjà nettoyé. C'est les trucs qui sont à l'intérieur, à mon avis. À mon avis. Tout beau, tout propre pour au final revenir dans le même état. Ah, oh, ça, c'est un souci pour un autre jour. Au final, j'ai envie de dire, pas mon problème. Enfin, si, mon problème, mais pour un autre jour. C'est quand même prodigieux. Hein. Il y a des endroits, c'est impossible d'y accéder. Enfin, si, je pourrais, mais... Là, clairement, tu le mets de ce côté-là, non? Ça ne marche pas? Ok... Il doit rester 4%, sans déconner. Ça, c'est la chenille. Là-haut... Lève-toi. Ah, attends. Là, il y a plein de petits trucs. J'adore le fait de faire ça et de me dire qu'après, faut le faire de l'autre côté. J'adore l'idée. Mais c'est ok, on fera le milieu d'abord. La vraie chenille. Il est nickel, là! Qu'est-ce que vous me dites? Il y a encore des trucs? Là? Ouais? Bon, là, à mon avis, c'est en haut qu'il manque des trucs. Non, ça, c'est la chenille. Ouais. Non, là, c'est trop du détail. C'est qu'il y a un truc là-haut. Allons voir là-haut. Est-ce qu'il y a encore des trucs? Merci beaucoup, Rosaire. Merci pour le 5e mois.
Merci, merci. Alors. Ouais, je pense que là, on va pouvoir gagner quelques centimètres. Attention, il y a vraiment... Ah, là! Là! Là, il y a de la merde, là. Là, je reconnais. Ça, c'est dégueulasse, ça. Oui! Je crois que c'est ça, c'est les derniers trucs. Pitié. Oui. Oui. Il reste un millimètre. Non, ça c'est le truc intérieur. Encore là. Franchement, c'est du chipotage. Elle est parfaite, cette chenille. Enfin non, ce blindage de chenille externe. Il est parfait. Je n'ai jamais vu un blindage aussi blindé. S'il vous plaît. Non, toujours pas. Parce que non, ça c'est le phare. Ça, c'est le blindage supérieur. Ouais, là, il reste un millimètre. Ça, c'est le interne. On est d'accord. Externe, on a ça. Ah, à la limite, ça. Alors, peut-être. Oui! Oui! Franchement, si on le regarde comme ça, il est parfait. 10 sur 10, 100% incroyable. Le problème maintenant, c'est que faut faire l'autre côté. Et le derrière et le devant. L'autre côté, on va le garder pour la fin, pour garder laisser le temps à notre esprit d'enlever de sa tête qu'on a fait ça, histoire qu'on puisse se le remémorer après. Alors le phare maintenant, il est là, il est nickel ce phare, qu'est-ce que vous me dites? Il est très bien ce phare, il est mieux que moi ce phare, franchement 10 sur 10. Ouais. Je n'arrive même pas moi-même à voir la saleté de ce phare. Ah, là-dessus, peut-être? Ah, ok. Ok. J'espère qu'il n'y a pas de temps à partir. Non, c'est bon. Ensuite. Alors. Restons vers ce côté-là. On a le blindage de chenille interne. Tant qu'à faire. Et on a aussi la chenille. On peut faire un peu les deux. Hein. Tant qu'à faire. Histoire d'aller de droite à gauche. Ou de gauche à droite, ça dépend comment vous regardez le truc. Évidemment, la chenille, bah oui. Évidemment, il faut aller dans les petits recoins intérieurs. Totalement. Sinon, ce n'est pas drôle. Ok. Il y a même le logo sur la chenille. L'attention aux détails est beautiful. 10 sur 10. J'ai glissé. J'ai glissé. Je serais bien resté des heures à regarder Marie nettoyer des tanks. Mais écoute, il y aura la rediffusion. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez un moment de calme, très chill, cette rediffusion sera disponible évidemment sur Fire Crystal. Parce qu'on ne peut pas faire plus chill que ceci. Hein. Il y a tout. Il y a la musique chill. Bon, pas sur la rediff. Il n'y a que l'ambiance pesante sur la rediff. Mais c'est pas grave, vous pouvez mettre de la musique chill par-dessus. Il y a moi-même, il y a vous. Et c'est déjà suffisant. Hein. C'est déjà fort bien. Ok. Attends, j'ai pas le... Ouais, non. Ah, ah, ah. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas que je... Ouais, ok. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Merci pour le 5e mois. J'ai vu Power Wash, je me devais de venir. Eh, incroyable. De retour sur ce jeu. Nous sommes là. Nous nettoyons.
On a à peu près fait 50% de la première mission. À peu près. Je suis un peu perfectionniste. Après, le jeu l'est aussi, c'est un peu le jeu qui oblige d'être perfectionniste. On est bien là. Ouais. Niveau saleté, on est pas mal. Mais elle fait tout le tour, on est d'accord, hein. Ouais. Ouais. Alors, attends. Ça, c'est quasiment... Il n'aime pas ce truc. Ça, c'est quasiment bon aussi. Le blindage de chenille externe, il lui manque vraiment quasiment rien. Est-ce que c'est de ce côté qu'il manque un truc? Ah ouais, c'est ça qui manque, je pense. Pas du tout. À moins que... J'arrête pas de descendre et de remonter, c'est très pénible, je sais, mais normalement, c'est tout ce qui manquait. Ah non. Mais attends, là-haut, ça me disait qu'il était quasiment fait. C'est moi qui ai halluciné? C'est sûrement moi qui ai halluciné. Bon, c'est pas grave. Revenons vers ici. La chenille. Merci Fenswheel, merci pour les 25 mois. Des bisous. Des bisous, merci beaucoup du soutien. Est-ce que ce sera suffisant? Après, je me souviens pas si j'ai vraiment nettoyé en haut. Mais à mon avis, il va falloir faire un petit peu attention aux détails aussi. Brièvement. Et d'abord, à mon avis, je vais remonter. Elle est quasiment... Quasiment finie. Ok. Incroyable. Incroyable. Alors. Je vais remonter. Sauf qu'on peut remonter que par l'avant. Je vais prendre l'élan, je remonte. Et là, je ne comprends pas. Mon blindage de chenille externe, il est fait ou il lui manque... Non, attends. Le interne. C'est le interne qu'il me faut. Il est là. Le interne. Il est... Oh, il est quasiment bon. Ah, peut-être là. Peut-être bien. Il a l'air nickel, mais il ne l'est pas. Pourquoi? Eh! Je me fais bloquer ici à chaque fois. Je ne sais pas. Le problème, c'est que si je laisse ça tomber, après je vais oublier et quand tout sera propre et qu'il me dira « Non, il manque 1%, je verrai pas où c'est. » Là est mon problème. Ouais. Ah, peut-être que là? Non, ça c'est un puits de bolter. Ça c'est le blindage frontal. Non. Ce n'est pas celui de type interne. Où est le problème avec celui-ci? Il y a forcément un problème. Est-ce qu'il est en dessous? Ou est-ce que je me suis... Il était en dessous. Ok. Nous nous approchons des 50%. De la finalité. Bientôt. On va rester en haut. Hein. Ah, y a pas mal de trucs à faire en haut. Ouais. On va rester par là. Alors. Qu'est-ce que c'est ça? Le bolter lourd, évidemment. Bien évidemment. Est-ce que ça fait... Ouais non, c'est tout ça. Tout ça. Ouais. Ok. Ah. Fort sympathique. Ça nous donne des petits checkpoints de choses qui prennent 3 secondes à nettoyer. J'apprécie. J'apprécie.
Il est tout là derrière, évidemment. Et ça, c'est la mission 1. J'imagine même pas la dernière mission. Le nombre de trucs. Bah, franchement, 40 heures de nettoyage, la dernière mission. Ou alors peut-être que c'est juste moi qui suis spectaculairement lente. C'est une possibilité. Alors, attends. C'est pas le même truc, ça? Non, c'est pas le même truc, mais c'est pas grave. Moniteur externe. Il y a tellement de trucs dégueulasses dessus. Tellement dangereux. Comme si on conduisait avec le pare-brise. Dans cet état-là. Un poil dangereux. Mais bon. Je suis pas là pour poser des questions. Ah non, lui, il est encore dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'il est encore dégueulasse? Parce que en dessous, c'est dégueulasse? Ouais. Totalement. Ouais. Ah, mais au centre aussi! Je ne vois rien. L'embout est trop grand. Ah! Le blindage est bon, mais c'était pas ça que je visais. Pourquoi pas? Je prends le petit. J'ai l'impression de pas savoir viser, mais c'est le jeu qui sait pas viser. C'est pas moi. Regardez, je veux viser à l'intérieur. Il ne veut pas. Non, c'est parce que je suis trop proche aussi, mais bon. Ok. Ça fait pas mal au crâne les mouvements de caméra à chaque mouvement. Ah non? Vous, oui? Sinon, je peux utiliser la fonction comme ça. Mais c'est plus dur, je trouve. Je trouve que c'est moins... C'est moins pratique. Enfin, ça dépend. Ça dépend des angles. Mais non, en vrai, ça me fait pas mal au crâne. Je m'en rends pas compte. Ok. Sinon, c'est peut-être moi qui va trop vite aussi. Attends. Je ne peux pas nettoyer ceci. Faut que je me mette de l'autre côté. Il reste encore... Il en reste pas mal là-dessus. Après, peut-être que... Ouais, ok. Tout ça, c'est dégueulasse. J'utilise que celle où je peux pas. C'est mieux à regarder, mais peut-être pas à jouer. C'est mieux à regarder le comme ça? Ah ouais. Ça faut que j'essaye. Faut que je... Mais en fait j'ai envie de bouger constamment. Parce que ça n'atteint pas tous les angles. Après si je bouge et que je fais comme ça, ça va. Ah c'est la caméra ouais quand je faisais ça qui faisait haut bas, haut bas, haut bas qui était chiante je pense. Je peux comprendre. Ah ça c'est la base. La base, je pense qu'elle va être soon clean. Ouais. Mais le truc en lui-même... Ah, non, ça c'est le puits. Le truc en lui-même, il est encore un peu dégueulasse. Ouais. Ça me stresse, mais je vais m'habituer. Je peux m'habituer. Il reste quand même 2-3 trucs à celui-là. Je pense qu'il va y avoir quelque chose en bas. Envie de nettoyer ma voiture entre garde en chute. Eh, franchement... S'il y a des jeux motivants comme ça, il faut... Il faut les mettre à l'honneur. Hein. Tout pour se motiver dans la vie. C'est une belle chose d'être motivé. J'ai oublié le truc. Ah! Ok. Non, c'est pas ce bouton-là. Ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'était bon. Moniteur externe. Non. Non, il est pas bon, lui. Pourtant, il est tout petit. Il est tout petit, Toon. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Ok.
suis en train de faire des détails alors que ça se trouve que j'ai pas fait l'arrière. C'est fort probable. Ok. Non, il y avait rien à l'arrière. Littéralement rien. Ah, mais sur le côté! Ouais, c'est ça. Incroyable. Yo, Tris, comment va? Non, non, mais si c'est plus chiant pour les yeux des autres, moi je m'adapte. Hein. Je m'adapte à vous, évidemment. C'est ok. Je peux faire la tourelle automatique. Je peux essayer. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Quand il y a vraiment tout à nettoyer encore et que c'est pas les précisions, c'est beautiful. Il y a combien de parties là? Là, il y a le blindage frontal. Trappe en coupole, évidemment. Le projecteur, oui. Et le système de filtration, ouais. Ok, donc on a quatre trucs ici. Mm-hmm. Enfin, non, le truc frontal, ça fait tout le temps, qu'il me semble. Hein. Alors, attends. Ouais. Ça va falloir faire tout le tour. Ça, je suis assise dessus. Le projecteur. Voilà. Alors, commençons par cette trappe. En coupole, évidemment. Ouais. Après l'avoir faite grossièrement, il reste encore plein de trucs. Voilà. Ensuite. Voilà. Attends, non, il en reste encore. Je pense qu'il doit en rester en dessous, c'est ça? Ah ouais. Ouais, effectivement. Oh, on a fait plus de 50%. Incroyable. Félicitations, 10 sur 10. 53%. On va y arriver, hein. On va le nettoyer. Hein. Puis en plus, après, on reviendra en terrain connu. Parce que... on a déjà fait le côté droit. Attends. Ouais. Attends. Ah! Doucement, doucement. J'ai voulu sauter, mais doucement. Là, normalement, ça devrait être bon. Magnifique. Magnifique. Ok. Blindage frontal, il est quasi bon aussi. Il manque une tâche vite fait en bas, je pense. Incroyable. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, la filtration. Fais voir. Ouais. Faut que je prenne l'habitude du bouton. Incroyable le jeu, n'est-ce pas, Elias? Le crossover, il est 10 sur 10, n'est-ce pas? Il est parfait. Le Power Wash Simulator de Warhammer 40k. Le crossover le plus inespéré. Ah mais attends, mais je peux me déplacer dans ce mode-là? Ah, je peux juste pas tourner la caméra. Ok. Ok. Magnifique. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a le projecteur. Ok, je peux juste pas tourner la caméra. Je comprends mieux. Ok, je pense que c'est derrière qu'il est dégueulasse. J'ai pas touché derrière, ouais. Effectivement. Là, il a l'air mieux. Mais il doit manquer un détail ou deux. Attends, ça me stresse. Ou alors c'est en dessous. Dans le doute, c'est souvent en dessous. Mais... comment j'atteins le en dessous? Merde. En étant au-dessus. Là, j'ai quelques millimètres. Non. Ok, ça a marché. À l'intérieur, là aussi. Il reste un millimètre. Je pense que ce sera ça, non? Ou alors c'est juste un effet de lumière.
Ça peut être nettoyé, ça. Ça a l'air d'être un effet de lumière. C'est hypnotisant. Ah, mais totalement. Pour moi aussi, hein. Autant à regarder qu'à faire. C'est totalement hypnotisant. Peut-être que là... Ah, ça doit être là. Merci beaucoup, Rirex, pour le 7e mois. Merci beaucoup. Je peux tourner la caméra si je veux aux angles. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, d'accord, c'était vraiment 1 mm. Ah oui. C'est moins pratique, mais... Mais je vois. Alors ensuite, nous avons... Eh, on s'en sort bien. Blindage frontal, c'est bon. Ça, c'est le côté gauche, on s'en fout pour l'instant. Blindage supérieur. Voilà. Faut que je m'habitue à ce... Voilà. Ouais. J'ai l'impression de jouer à League of Legends. Où tu dois aller sur les côtés de l'écran pour... Pour déplacer le personnage. Au bout d'un moment, tu pètes un câble et juste tu cliques sur la map. Sauf que là, il n'y a pas de map. Parce que nous ne bougeons pas. Nous sommes dans cette chapelle jusqu'à la fin. Alors, base de lance-missile tracker, bien sûr. Ok. Voyons voir. Ah, ça va, je m'habitue. Je m'habitue. Ça passe. Ouais. Ouais. En tant qu'affaire, je fais ça aussi. C'est dégueu, ça, c'est quoi? Une parabole. Eh ben, elle était dégueulasse. Mais c'est pas mon job pour l'instant. Pour l'instant, le lance-missile. Oh! Avec l'insigne. Vous ne voyez pas en dessous tellement il était dégueulasse. Merci beaucoup, Codescat. Merci pour le Prime. La déesse des chats. Magnifique. C'est beau. Ok, il reste quelques détails. Ouais. Là-dedans, là-dedans aussi, il y a des détails. Là aussi. Et à mon avis, en dessous, non? C'est toujours en dessous. Toujours en dessous. Ok. Je vais glisser du truc, je le sens. Je le sens. Il y a ça aussi, ah oh, mais oui. Il y a ça de tous les côtés, c'est que c'est bon. C'est dur. J'ai pas l'angle. Ah, bah c'est dégueulasse aussi en fait. Je n'avais point vu. Ah, mais oui. Oui, oui, totalement. Il reste quoi? Il reste 5%. Ouais. Trop proche, mais bon, magnifique. Le lance-missile. Ah, mais il y a la base aussi. Ah, mais attends. La base. Voilà. Incroyable. Alors, j'aimerais me lever. Merci. Dans le centre, il nous reste. Parce que ça, c'est le côté. Il reste la parabole. Il reste ça. Et après, on peut descendre à l'arrière. Et après, on fait le dernier côté. Franchement, ça nous aura pris 5 minutes. 5 minutes. Plus ou moins. Vite fait. Fais voir cette parabole. Ouais. Elle est déjà quasiment propre. Elle va être moins chiante, cette parabole. Ok, ça c'est la base. Ouais. De la parabole, hein, évidemment. Et ensuite, la parabole magnifique. Magnifique. Ça, qu'est-ce que c'est? Grille de moteur. Tout ça, là? Tout ça, c'est la grille de moteur? Allez. Fort bien. T'as eu encore un truc là-haut ou pas? Non, hein, j'ai vraiment fait tout le haut. Enfin non, pas la droite, mais... Ça, c'est un autre souci, c'est pour plus tard. Ok.
Maintenant, passons donc à l'arrière. Grille de moteur. Pourquoi est-ce que... Ah, parce qu'il y a les deux côtés. Évidemment. Données enregistrées pilote. Fort bien. J'espère qu'il n'est pas encore à l'intérieur parce que t'en as encore pour un petit moment. Comment dire? Ok. Comprendre une mission, nous étions en route pour renforcer la Flitken Secundus. Quand nous avons reçu un des signaux de détresse provenant de la planète non divulguée, estimation stratégique. Évidemment, l'estimation stratégique. On ne divulgue pas, mais on vous met l'estimation stratégique. Les forces impériales affectées à cet endroit ont prétendu avoir détecté la présence d'un artefact restreint de classe H avant de tomber sur des censurés hérétiques. Putain, on dirait vraiment SCP, mais en un peu plus... un peu plus classifié, on va dire. La valeur d'un censuré objet confidentiel pourrait être une grande importance. Ah, mais ravi de le savoir. C'est à l'intérieur ? Que moi je peux l'ouvrir et le prendre et vous le redonner après, évidemment. Évidemment. Grille de moteur. Ah, attends. Merci beaucoup Fox Crystal pour le resub. Merci pour le 34e mois. Let's go. Let's go. Grille de moteur. Ouais. Si je fais ça, est-ce que... Quasi bien. Quasiment. Et merci Eclipse pour le 15e mois, merci! Incroyable! Incroyable. Premier compte Twitch, j'étais sur le live alors que j'avais 13 ans. Ah là là, effectivement. L'illégalité. Pas bien ça. Après, les personnes de 13 ans qui sont intelligentes. Enfin, pas intelligentes, mais qui sont plus, on va dire, sournois, ils savent se cacher. Parce que bah ouais, c'est illégal. Il faut pas. Hein. Il ne faut pas. Et nous, on est très sérieux avec ça sur mon live. N'est-ce pas la modération? N'est-ce pas? On ne laisse rien passer. Et non. Et non. Attends. Là, on n'est plus sur la grille du moteur. Là, c'est le blindage du moteur. Du coup, attends, fais voir, qu'est-ce qu'elle a la grille ? Encore ça ? Ouais. C'est un détail, ça. Là, c'est du détail. Est-ce que j'ai loupé un grand détail ? Ça, peut-être ? Non. Ça, oh, peut-être là-haut. Attends, si je m'accroupis... Ah, c'était ça. J'ai même pas eu le temps de faire tout le truc, tellement j'avais nettoyé tout le reste. Fort bien. Fort bien. Qu'est-ce qui nous manque ? On a fait la grille du moteur. Le blindage supérieur. Il s'arrête où et il commence où, le blindage supérieur ? C'est une bonne question, ça. Ah, là, il y en a encore. Ok. Ah mince, j'ai laissé de côté ça. Blindage supérieur. Ouais. Après, il reste quasiment rien dans le blindage supérieur. Quasiment rien. Ah là, ça ne passe pas. Hein. Si, ça passe en vrai. Ok. Ça, c'est le blindage. Non, ça, c'est le blindage arrière. Il me faut encore le supérieur. Marc joue à Warhammer, tout à fait. Tout à fait. Mais pas n'importe... attention. C'est Power Wash Simulator. Warhammer 40k. Eh ! Le crossover que personne n'attendait, personne n'espérait, personne ne... Personne. Et pourtant, il est là. Je trouve que c'est magnifique. Incroyable. Nous avons nettoyé le blindage supérieur. Donc maintenant, on a fait quasiment tout le haut. Alors évidemment, pas tout ce côté-là, mais ça, c'est vraiment... Ce sera sur la fin. Et donc là, on a juste à terminer l'arrière. Donc on a le blindage arrière, le sigil du blindage arrière. Le sigil, normalement, ça se nettoie en 3 secondes. Bah,
Le sigil. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il y a peut-être ça? Non. Et il y a donc les cheminées d'échappement. Blindage de chenille intérieure. Ah, ça, c'est de l'autre côté. Et donc, blindage du moteur. On a ça à faire, mais j'ai l'impression que... on a fait tout ce qu'il fallait faire un peu en haut. Non, on n'a pas fait ça. On va faire tout ce qu'on peut faire et après on va redescendre et on ne remontera plus. Enfin si, on remontera pour l'autre côté en fait. Je n'ai rien dit. Combien il y a de choses à nettoyer dans le parc, c'est trop tentant à faire. Je sais même pas combien il y a de missions. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir? Parce que là, on en est au premier. Je pense qu'on verra après, une fois que je terminerai celle-ci. Parce que je vais évidemment terminer celle-ci, bien sûr! Évidemment. Mais c'est une bonne question. En tout cas, il y a de quoi faire. En sachant que la première mission prend 2 heures, la dernière prendra 3 jours. Parce que là... là, on est pas mal, quand même. C'est bon. Il manque des micro-trucs, mais je sais qu'il faudra aussi aller de l'autre côté, donc j'ai pas envie de descendre avant que tout soit bien fait. Les boutiers à l'avant, ça n'a compté qu'un seul des deux. Ah! Attends. Fais voir. Lourd. Oh, t'as raison! Il y en avait deux! Oh là, incroyable. Eh, non seulement vous me regardez et vous m'écoutez, mais en plus, il y en a qui payent vraiment attention à ce que je fais, mais vous êtes vraiment des dieux vivants. Merci, Raïm. Incroyable. Incroyable. Je pensais que ça avait compté pour les deux, parce que c'était... ils sont collés. C'est un peu les mêmes choses. Mais non. Alors, attends. Je prends du plus petit... magnifique. Il suffisait vraiment juste Ah, mais il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau. Ce Land Raider, là. Magnifique. Faut juste pas regarder à gauche pour l'instant. Mais à part ça, il est 10 sur 10. Ça fait 30 minutes que je nettoie aussi. Sauve-moi, c'est une nouvelle addiction. Mais non, je ne vous sauve pas, justement. Justement. Regardez ce DLC. Regardez, faites plaisir à Square Enix, faites plaisir à la Frozen Crystal Télévision en tapant point d'exclamation PW. Bien évidemment. Bien évidemment. Je pense que j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire en étant en haut. Je vérifie juste. Au pire, on remontera. Attends, non, je peux faire depuis ici. Attends. On va remettre celui-là. Je ferme mon volet. Ça y est, il fait nuit. Oh, en vrai, 18h40 déjà. Déjà ? Quoi ? Non, mais je suis stuck dans un time loop là, c'est pas possible. Non, 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 il est 17h20 là. À quelle heure là ? Il est 18h42. Il est 17h20. Ça fait que 20 minutes qu'on live, on est d'accord. Mes cheveux ne veulent plus répondre. Ils ne veulent plus. Pour eux aussi, il est 17h20. Non mais... comment ça, 18h40? Hors de question. Ah! Ok, faut nettoyer les 4. Faut nettoyer les 4. Ok. Non, parce qu'en plus, pour l'instant, on me dit rien. Juste, enfin, j'utilise que de la flotte. Mais au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Parce que là, ça me met le nom des trucs. Ça me met que c'est du métal et tout. Et puis au bout d'un moment, il y aura des produits spécifiques pour les matériaux spécifiques. Bon, là, ça tombe bien. Tout est en métal. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas en métal? Non. Mais je pense que... il y a peut-être un truc ou deux depuis le début.
et je me suis pas rendu compte. Attends. Blindage supérieur, est-ce que... Non, ça c'est le blindage du moteur. Mais blindage supérieur, c'est bon. Hein. Blindage arrière. Blindage arrière, blindage du moteur. Non, blindage arrière, vas-y. Vous savez quoi? On descend. Je descends. Blindage du moteur, tuyau du moteur, blindage arrière. Ok, c'est bon, il y a tout ici. Magnifique. On va se faire un petit gauche-droite. Franchement, côté gauche, parfait, 10 sur 10. Côté droit, laisse à désirer. Mais 63%. Attendez, je vais fermer mon volet, je fais un AFK 3 secondes. Je reviens. Blindage interne aussi, je crois qu'il n'y a que le devant qui est fait. Ah ouais? On verra à la fin de tout. Ah mais attends, si je fais échappe. 99% cadre de la trappe d'assaut. Ok. Blindage du moteur, 0 sur E. Ouais. Il y en a un que j'ai fait à gauche et pas à droite. Bon, au pire, on a la liste. On a la liste. Attendez, je reviens, je fais juste un AFK de 2 minutes. Je reviens tout de suite. Admirer ce magnifique. Attends, je vais faire un petit smiley dessus. Attends. Coup, coup. Avec un cœur. On voit vite fait, hein. Et un smiley. Ah, on le voit le coucou. On le voit. Vite fait. Si je fais un sourire. Voilà, il dit coucou et en même temps c'est un smiley. Une œuvre d'art! Une œuvre d'art, j'arrive tout de suite. Eh bien le bonjour. Me revoici. Me revoici. J'ai pas bu assez d'eau. J'ai revu ma nutritionniste l'autre jour et elle m'a dit, j'étais toute fière de lui dire que je buvais 1 litre d'eau par jour et elle m'a dit non, c'est pas assez. Faut que je boive minimum 1,5 litre d'eau par jour, mais idéalement 2 litres. Je ne fais que boire de l'eau, c'est terrible. Alors, où est-ce qu'on en était? Je rappelle à ceux qui nous rejoignent. Regardez ce magnifique Land Raider. Le Land Raider, il est parfait. Regardez-moi ce côté si clean, si beautiful, si parfait, incroyable. Nettoyé à la perfection. Le devant, perfection. Le haut, perfection. Maintenant, il nous reste donc le côté droit et un petit peu aussi de l'arrière. Mais c'est OK, nous progressons dans notre mission. Évidemment.
Je bois même pas 75 centilitres d'eau par jour. Non, mais je vous jure, j'ai... Ça, c'est vraiment un des meilleurs trucs à faire. Si vous vous sentez pas très bien, si vous avez un peu mal à la tête, si vous avez... Quasiment tous les problèmes du monde peuvent être résolus en buvant de l'eau. Vraiment. Et... Enfin, tous les problèmes du monde, tout est relatif. Je dis ça en... Ça, voilà. Mais tous les problèmes simples qu'on peut avoir avec la santé, on va dire. Et la nutritionniste, elle m'a dit, l'alimentation, c'est très bien de la changer, tout ça, machin. Il faut évidemment faire attention. Faut faire attention à tout. Hein. Mais le plus important, l'étape numéro une, le truc le plus important, c'est la flotte. C'est la flotte. 1,5 litre minimum par jour. Ou si vous voulez un conseil, vous achetez une gourde pareille qui fait 1 litre et vous la gardez à côté de vous tout le temps. Tout le temps. Et il faut tous, pas seulement moi, hein, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Minimum. Minimum. Merci beaucoup Nini pour le 6e mois. Merci beaucoup. Tous les soucis peuvent être résolus en buvant, exactement. De l'eau, hein, évidemment. De l'eau, parce que bon, je suis la première à boire l'apéro, tout ça, machin, l'apéro c'est sympathique, c'est un moment convivial de partage exceptionnel. Mais, ne pas oublier la flotte en journée, ne pas oublier, même si parfois c'est dur d'oublier, enfin c'est dur d'y penser plutôt. Mais ouais, l'alcool c'était chaud. Regardez-les, les pires. Je sais pas qui vous a influencé, hein. Franchement, je trouve qu'il y a une mauvaise influence dans votre cercle proche ou lointain. Je sais pas qui c'est, hein. Mais vous pourrez dire à cette personne qu'il faut faire attention. Hein. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est important. Et mine de rien, c'est pas si dur que ça à faire. Hein. Une fois que vous avez un verre d'eau ou une bouteille d'eau à côté de vous, juste... apparemment... C'est pas apparemment, c'est vrai. C'est juste, je savais pas non plus. Ça paraît évident maintenant, mais... Il ne faut jamais... avoir soif. Si vous avez soif, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que vous êtes déjà en déshydratation. Il ne faut jamais avoir soif. Même si vous n'avez pas soif, vous buvez de l'eau. 2-3 gorgées de temps en temps, hop là. Vraiment. Vous pouvez vous dire un truc. À chaque fois que vous recevez une notification sur votre téléphone, par exemple, vous buvez une gorgée d'eau. Pour certains, ça peut marcher. Moi, personnellement, j'ai plus aucune notification sur mon téléphone parce que j'ai désactivé toutes les notifications par WhatsApp. Donc je n'ai rien. Mais... Pour ceux qui ont tout, là, je vous vois. Vous êtes certains, je suis sûre, il y en a, là, parmi vous, qui reçoivent une notification par minute. Et à chaque notification, une gorgée. D'eau, hein. Évidemment. Je suis 99% et je trouve pas la fin. Attends, faut que tu fasses échappe. Et là, t'as tous les... Genre là, j'ai fait un truc à 99%, je sais plus lequel c'est. Les cadres de la trappe d'assaut, il m'en manque un. Il m'en manque un. Et ouais. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Pour l'instant... Attends, là, je suis en train de faire quoi? La plaque de protection? Ok. La plaque de protection, évidemment. Là, ça fera plus d'un litre. Après, alors, le but, c'est pas non plus de boire 18 litres. Mais, 1 litre 5, 2 litres, de toute façon, au bout d'un moment, vous arrêtez, hein. Il n'y a pas besoin non plus de boire 10 litres, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut aider. Parce qu'avant, moi, je faisais partie de cette team, hein. Je buvais même pas un verre d'eau par jour. C'était dramatique. C'était dramatique. Faut pas faire ça. Ça, c'est le blindage de la chenille interne. Évidemment, on le connaît, on l'a fait de l'autre côté, celui-ci. On le connaît, mais d'abord... Attends, plaque de protection, c'est vraiment juste ça, hein. Ok. Attends, là, je suis déjà couchée, hein. Fais voir. Ouais, c'est dégueulasse encore, hein. Elle est dégueulasse, cette plaque de protection. Aucune protection contre la saleté, hein. Non, je suis pas énervée. C'est faux. C'est faux. Hop. Non, ça, c'est le blindage arrière. D'abord, nous rendons la plaque de protection... sa protection. Nous lui rendons à César ce qui appartient à César. Il lui manque 1 millimètre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Peut-être de l'autre côté. Alors peut-être, oui. Oui. Magnifique. Exceptionnel. Ensuite,
le blindage du moteur. Attends, mais il y a 8 milliards de trucs là. Faisons un par un. Ça, c'est quoi? Blindage arrière. Ah, mais ouais, mais non, mais ça, c'est tout le truc. Ça, c'est le blindage arrière. Non, ça, c'est le blindage du moteur. Alors, ok. Les tuyaux. Plutôt ça. Tu m'as convaincu, j'arrive, je pars prendre une bouteille. C'est bien! Allez vous chercher de l'eau. C'est bien l'eau! C'est bien. Il est 19h et je dis ça. Est-ce que Marie 2024 n'est pas une nouvelle personne? Franchement, moi je trouve que oui. Hein. Franchement, il faut faire attention. Faire attention à la consommation d'eau. Il faut en consommer. Pour être fort. Totalement. Ah mais je suis vraiment... Maintenant, je suis devenue... Je ne me reconnais même plus moi-même. Hein. Je vous l'ai dit... Pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, vous n'avez pas entendu, mais donc je suis allée revoir ma nutritionniste il y a quelques jours, là. Et elle m'a dit que c'était bon. Ça y est, j'avais enfin assez de force. Ça se voyait. Je pouvais reprendre enfin les activités physiques. Enfin, enfin, je dis ça en mode « Enfin, je peux refaire du sport et tout !» J'en ai jamais fait. Je fais du tennis de mes 2 ans à mes 15 ans. Après, j'ai plus jamais fait sport. Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Mais aujourd'hui, j'ai fait ma première session de sport de 25 minutes. J'ai tapé sur YouTube. J'ai tapé « Workout beginner ». J'ai cliqué sur celui où la fille, elle avait l'air bien sympa. Et j'ai cliqué dessus, il y avait marqué HIIT, je savais pas ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire High Intensity Workout. Ça veut dire intense, hein. Mais il y avait marqué Beginner. Sauf qu'en fait, c'était pas vraiment Beginner, c'est-à-dire que oui, c'était Beginner dans le sens où j'avais pas besoin de machine, mais j'ai cru mourir, décéder, revivre, redécéder. Mais je l'ai fait, j'ai fait 25 minutes. J'ai fait 25 minutes. Voilà. Donc, petit tapis de marche avec bureau assis debout. Oh, j'aimerais tellement... J'ai regardé, je voulais justement... Parce que je me suis emballée, hein. C'est-à-dire que j'ai fait les 25 minutes, j'ai cru que j'allais décéder, mais à la fin du truc, je me sentais trop bien. Je me sentais trop bien, franchement. Alors, au bout d'une demi-heure, une fois que j'avais arrêté de respirer tel un âne mort, je me sentais très bien et je me suis dit waouh et tout, en fait je veux faire ça tout le temps, pas tout le temps non plus, on va pas exagérer, mais je veux faire ça plus souvent. Et j'ai regardé le, je voulais me prendre directement un tapis de course en mode mais je veux trop un tapis de course en fait, je veux courir jusqu'à ce que je me rappelle pas comment je m'appelle, jusqu'à en oublier mon but. Et j'ai ouvert internet, j'ai tapé tapis de course, j'ai failli m'étouffer en voyant les prix, et j'ai fait ouais, bah peut-être pas. Du coup, bah non. Bah non, c'est un peu cher. Donc peut-être qu'un jour, Marie Stonks ira vers d'autres cieux, et ce sera possible. Qui sait? Mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Et alors évidemment, ça veut pas. Je dis ça, on a bu l'apéro avec Yuno il y a 2 jours, hein, mais l'apéro, c'est évidemment. Évidemment, ça ne partira jamais, mais l'apéro, c'est de temps en temps. Un petit verre de temps en temps. Il y avait marqué dans les papiers de ma nutritionniste, en mode, bon, elle m'a dit exactement quoi manger, quand, pour quel repas et tout, et donc il y avait marqué l'eau, 1,5 litre minimum, et il y avait marqué, niveau alcool, le vin rouge, c'est très bien. Franchement, c'est même très bon pour la santé et tout. Un verre de vin rouge, tout ça. Et j'étais en mode, allez, le rouge, finalement, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je ne pourrais pas atteindre ce truc, sauf en sautant. Ah, peut-être en sautant. Ah, désolé, hein. C'est un peu vomitif, mais j'ai la flemme de remonter. On est pas mal. On est pas mal. Ok. Alors, attends. Où est-ce qu'on en est? Le blindage du moteur. Les cheminées, c'est bon. Le blindage, c'est les deux côtés, hein. Ouais. Ça aussi, c'est considéré comme du blindage. Mm-hmm. C'est entre 200 et 500. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, disons que prendre un... Je sais pas si vous fonctionnez comme ça aussi, mais moi, si je prends un truc qui, je sais, va me durer 5 ans ou plus... Typiquement un tapis de course, je veux pas prendre le plus bas de gamme.
Je veux toujours, si je vais me servir de quelque chose pendant 10 ans, je préfère prendre quelque chose considéré haut de gamme ou au moins milieu de gamme, c'est-à-dire au moins 350. Disons que... Voilà. Mais bon. Attends, mais il est parfait, mon blindage du moteur. Non, il est pas parfait du tout. C'est faux, j'ai rien dit. Il est presque parfait. Franchement. Ah, mais en fait, il va falloir aller vraiment sur les côtés. Ouais, mais c'est des détails, ça. Bon, après, il me manque quoi, 4% du truc? Même pas. Non, ça, c'est l'aération. L'aération, c'est bon. Hein. Le blindage. Peut-être en dessous? C'est encore considéré comme le blindage, en dessous? Ah! Mais y a rien en dessous. Non, j'ai tout bien fait. Alors, c'est que ça doit être au-dessus. J'ai pas vu. Peut-être bien. Attends, les tuyaux, pareil. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, mais non, non, il est dégueulasse. J'ai rien dit. Voilà. Lui, il est bon. Lui aussi, lui aussi. Je suis sceptique. Je suis sceptique. J'appuie pour voir la saleté. Et je ne la vois pas. Enfin, si, vite fait, mais... Ah, ça, c'est le blindage arrière. Ça, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a un truc en haut. Il y a forcément un truc en haut. On est d'accord, c'est le dernier truc? Non, anneau de remorquage. Qu'a-t-il... Qu'est-ce qui se passe avec cet anneau de remorquage? Il est parfait, cet anneau! Ah non. Il est parfait, maintenant. Et là-haut... Attends, là, je suis en train de... C'est des micro-détails, là! C'est là-haut, hein. Faut que je remonte, hein. Là est le problème. J'essaye de vraiment mettre chaque micro-gouttelette. Non, il y a trop de trucs encore. Faut que je remonte. On va remonter. Allons-y. Je suis en train de parler de bureau assez debout avec tapis, j'ai les deux. Franchement, c'est un réel kiff pour avoir une activité en étant chez soi. Ben, c'est vrai que j'ai déjà le bureau qui se lève. C'est génial, mais c'est vrai que être debout sans bouger... C'est plus pénible qu'autre chose. Alors qu'un truc pour marcher ou courir en même temps, mais... Oh, mais imaginez, mais... Franchement, un combo comme ça, j'avoue que tu restes beaucoup plus en forme, je pense. Je pense que c'est... Ah, c'est là. C'est donc là que j'avais loupé, je pense. Non? Non? J'étais pourtant sûre, mais fort bien. Ah, ça va être un investissement pour plus tard. En plus, j'ai vu, il y en a qui se replient et tout. Enfin, c'est trop stylé. Genre, ça prend pas de place après. Incroyable. Ah ouais, ok, c'est là. Ok, là, il y a plein de trucs. Je voyais pas depuis en bas. Ah, merci. Le blindage du moteur est nettoyé. Ok, les cheminées, tout est bon? Tout est bon? Je crois qu'on est bien. Pour tout ce qui est là-haut. Incroyable. Attends, non. Non, ça m'a nettoyé que celui de droite. Eh bien, remontons. Ouais, hein. Ouais. Marie 2024. J'investirai dans le tapis de course. I believe. Ouais, c'est ça aussi. C'était ça que j'avais pas vu. Voilà, ok. Nous avons donc fait tout le côté gauche, tout le haut, tout le derrière, tout le devant. Je crois. Je ne sais plus. Normalement, oui. Hein. Et maintenant, il nous faut tout le côté droit. Et il est 19h. Non, mais je finirai. Marie, au début du live, oui, on va en faire 2-3. Oui, Marie, bien sûr. Mais encore. Au moins, le jeu est complet. Après, bon, je parle un peu, il est vrai. Je ne suis pas au maximum de ma concentration. Mais je suis bien aux 2/3 de la concentration, quand même. Tout de même. Bon, on va d'abord faire le gros du travail.
et ensuite on va revenir, parce que là on connaît. Nous connaissons. Déjà nettoyé, on va dire, la plupart. 2-3, ouais. Et franchement, on n'a pas chômé quand même, hein. On va quand même découvrir le suivant. Quand même. On ne peut pas ne pas savoir quel est le suivant. Il faut d'abord terminer. Oh my god. Le jeu est possible sur mobile? Non, malheureusement. Il y a PC, PS5. C'est la PS5 qui est sortie maintenant, ouais. PC, PS5, Xbox, Switch. Mais je pense pas qu'on puisse sur mobile. Malheureusement. On sait jamais, hein. Mais ce serait un peu trop minutieux pour du jeu mobile, je pense, quand même. C'est quand même bien minutieux, même avec une souris, un grand écran et du zoom. Alors sur mobile, j'imagine même pas. Ok. Ouais. Blindage frontal, ça on l'avait fait aussi. Voilà. Il est beau. Il est là. C'est le fumigène numéro 2. Il est clean. Il est posé. Ah mais j'ai rechangé le truc en plus, je m'en suis même pas rendu compte. Je m'étais même pas rendu compte que j'ai plus la même vision. C'est bon. C'est bon. Le prochain, c'est 3 fois plus détaillé. Je pense que oui. Je pense que oui. Que marcher et jouer, ça va pas être trop compliqué. Je pense que ça dépend des jeux. Ça dépend ce que tu fais. Mais moi, je pensais pas forcément en jouant d'avoir ce genre de truc d'allumé. C'est surtout... Bah pour tous ceux qui sont en télétravail et qui bossent de chez eux et tout, moi c'est vrai que je fais beaucoup genre du montage sur le PC, je fais beaucoup de trucs sur le PC, c'est répondre aux mails, faire plein de trucs comme ça qui requiert pas non plus énormément de concentration. Et évidemment, jouer un FPS en étant debout et en courant en même temps, je pense que même en marchant en même temps, c'est un peu compliqué. Mais faire quelque chose de plus basique, genre écrire un mail ou faire du montage, je pense que c'est totalement atteignable. Ah ok, il est là. Ok. Il est bien ce fumigène, non? Non? Qu'est-ce qui lui manque? Là. Il est bien là. Qu'est-ce que tu me chipotes? Ça. Quoi d'autre? Où ça? Ici. Voilà. Ok. Gloire à l'empereur. Exactement. T'as vu mon titre, il est incroyable. Il est incroyable. La saleté part, mais l'honneur est éternel. Pour l'empereur, évidemment. Bien évidemment. Tu peux courir en te mettant une série ou un stream quand t'es en mode détente. C'est vrai aussi, ouais. J'avoue. J'avoue que... C'est toujours plus motivant d'avoir un truc en fond, je trouve. Et c'est bien, ouais. Ça va être la prochaine étape. Tout ça pour être de meilleure humeur. Et juste en général mieux dans la vie, hein, c'est vrai. Hein. On se sent quand même mieux quand on est... quand on boit de l'eau, quand on fait du sport, ce genre de truc. Il est vrai! Il est vrai! D'ailleurs... Santé. Hein. Il manque quoi sur les phares? Ça! Ça. Non. Côté phare. Voilà. Ok. Ensuite. Le blindage de chenille externe. Bon, ça fait tout le truc. Je me fais pas trop de soucis. Ok. On est bien. Et après, on va pouvoir faire l'extérieur. On est d'accord que l'intérieur, j'avais tout fait. Ouais. Est-ce que je peux redescendre? Bon, il y a des détails, mais c'est vraiment des détails. Ah non, je peux faire ça depuis le haut, pendant que j'y suis. On avait galéré pour l'autre côté. Maintenant, je sais. On arrive à la fin. 75% nettoyé. Nous arrivons doucement à la fin de ce premier niveau.
Ça a l'air relaxant. Ça l'est, hein ? À vous de me le dire, vous êtes là depuis 2 heures pour certains. Moi, je suis totalement relaxée. Nous nettoyons. La vie est belle. Va falloir que je descende là. Ouais. J'essaie de vraiment tout faire pour pas avoir à remonter, mais je sais que je vais quand même devoir remonter. Je le sens arriver. Et du coup, attends. On va descendre par là. Nettoyer tout le haut. J'étais descendue sur le canon. Faut faire ça aussi parce qu'on pourra pas le faire depuis en bas. Voilà. Ensuite, si je glisse là sur le canon, on peut faire ça. Et on peut faire surtout ça là. Ça, c'était inatteignable depuis en bas. Et même depuis en haut, en fait, c'est quasiment impossible. C'est dur. Je vous jure, il y a un pixel et il me fait faire... Regardez, je peux pas me mettre au milieu. Il y a un pixel. Peut-être en étant assis. Ouais, peut-être en me mettant de l'autre côté après. Peut-être bien. En tout cas, c'est plus pratique depuis en haut. Voilà. C'est vite fait. Ça aussi, vite fait. Ok. Ensuite. Non, je m'étais vraiment mis à l'avant. Hein. Parce que là, je peux pas atteindre le truc. Fais voir si je me couche là. Non, il veut pas. Ah si ! Incroyable. Ouais, mais vite fait, hein, encore une fois, il... Je peux faire en haut. Ok, déjà bien. Déjà bien, mais en bas, il veut pas. En bas, il veut pas. On peut faire ça. Oui. En arrivant sur l'estimation stratégique, évidemment, B785, nous avons été attaqués par des censurés hérétiques. Non, mais c'est bien ! J'adore les informations que vous me donnez. C'est-à-dire que... J'aimerais bien... plus. Vous étiez assez proche pour détecter la présence d'un... Non mais ok, ok, je veux bien... Je ne suis qu'une vulgaire méca prêtresse de nettoyage. Cependant... Nos prédécesseurs ont pensé à le mettre à l'intérieur d'un... Ils se foutent de moi. Santé Freya. Il n'y a plus les alertes, mais un jour, il faudra que je les remette. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont parties. Nous devons y retourner en plus grand nombre avant que l'artefact restreint, évidemment, ne soit endommagé ou que les hérétiques s'en emparent, évidemment. Ah non, pas les hérétiques. Hein. Au bûcher, hein, je dirais même. Alors, on va voir. Hein. Je descends. Et donc, on peut faire tout le reste. Okay. C'est le moment. Ah, mais... Laissez-moi, merci, sélectionner. 25 degrés, ce sera bien. C'est pas... Le plus satisfaisant. Même s'il faut faire 2 allers-retours. Non mais quand même! Non, j'aime pas. Ça, ça fait... C'est plus précis? Ouais, je préfère ça. Je préfère ça. Au moins... On peut le faire... En une fois. En un seul passage, s'il vous plaît. Bon, faudra repasser sur les détails, bien évidemment, mais bon, vous avez compris. 82% nettoyé, incroyable. Alors, un concept de jeu, au lieu de le nettoyer, je pourrais le peindre. J'avoue. En vrai. Après, je me dis... Les gens qui peignent déjà les figurines Warhammer, c'est justement le principe, c'est de les avoir après, non ? Pouvoir les exposer. Et de se battre avec. Pour certains. J'ai vu Trauma, il faisait ça, il fait des tournois et tout. Enfin, pas des tournois, je sais pas, mais de temps en temps, je vois des trucs passer. Mais... En fait,
finalement, c'est un peu comme si je le peignais, tu vois. Parce que là, est-ce que tu devines que c'est bleu derrière ? C'est tellement immonde. Et là, ah ! Je le peins en bleu. Incroyable. Moi, j'aime bien, je le purifie. Parce que le mec, il a pas dit... Ta mission, c'est de nettoyer, de le nettoyer. Non, non, non. Il faut le purifier. Évidemment. Purifier de la terre et du sang de nos ennemis, évidemment. Hein, parce que bon, il y a un peu de rouge. Là, je pense qu'il y a le sang de nos ennemis avec. On va savoir ce qu'il y a dessus. Nous sommes là pour purifier. Je suis une méca prêtresse, après tout. Hein. Je purifie les véhicules. Évidemment. Ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai si hâte du... Comment on dit ? De la timelapse de fin, où il va me montrer comment j'ai galéré pendant 1000 ans. Ok. Je voulais faire le blindage de la chenille externe avant tout, mais je pense que ça va être le plus chiant. Parce que c'est ce qu'il y a le plus de... Ah, mais il y a beaucoup de crasse encore dessus. Beaucoup. Ok. Nous voici. Nous voici avec le dernier carré. Bon, après, il y a tout le canon, tout le bordel, mais là, c'est le dernier gros du travail. En théorie. Non, il reste quand même encore beaucoup. Il reste 10%. Ok, le sigil, ouais, ça s'est nettoyé en 3 secondes, évidemment. Ah oui, j'avais oublié l'échelle. J'avais oublié. Attends, il y a une trappe aussi. Blindage, trappe de blindage de chenille. Ah ouais, ça. Ok, ça c'est son propre truc. Fort bien. Fais voir. Il y en a encore partout. Il y en a encore partout. Attends, faut que je saute pour faire les escaliers. Ah mais c'est de l'eau bénite que je projette, exactement. Exactement, il n'y a même pas à rigoler, c'est vrai. Je suis une prêtresse, je projette de l'eau bénite. Totalement. Bien évidemment. Est-ce que vous en avez douté une seule seconde? Si la réponse est oui, je suis... très blessé par vos propos. Vous ne croyez pas en moi. Voilà, je m'en souviendrai, c'est tout. Ouais, ouais, la trappe, elle est bien là. Elle est bien. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque sur cette trappe? Et... Ah, le dessous. Ouais. Très bien cette trappe, non? Ça. Ok. L'insigne, il est encore dégueulasse. Ok, le sigil, c'est bon. Moi, je veux la trappe en elle-même. Il reste 1 mm, comme d'habitude. Ça, c'est pas la trappe. Je voulais faire la trappe avant, mais... J'ai du mal à voir. Est-ce que je suis sainte? Mais totalement. Totalement! Vous en doutiez? Je suis outrée, hein, vraiment, de votre comportement. Comment osez-vous? À la haut! Je suis une véritable prêtresse, finalement. Il va falloir que je remonte là-haut, je le sens. Je le sens arriver. Après, c'est pas si loin. C'est juste là. Hop. Est-ce que... Là. Non, c'est... Ah, mais en fait, c'est toutes les marches. Je les ai mal faites. Je les avais mal faites. Ah là, c'est bon! Elle est parfaite, ma trappe, non?
Là, c'est du chipotage. Je sais même pas ce qu'il me montre. Oh non. Ah bah, c'est encore les marches. Fais voir. Ouais, elles sont dégueulasses. Ah non, je saute par-dessus un truc. Attends, je tourne ceci. Ah, merci. C'était donc bel et bien ça. Alors. Ça avance, c'est quasiment fini, regarde. 91%. 91%, il y a encore les canons là. Et ensuite, il y aura évidemment la chenille externe. Où il faudra faire les finitions. Mais on a fini là. On a fini là. Dans une minute, c'est terminé. Totalement. N'est-ce pas? Une minute. À peine. Une minute trente à la limite, tu vois. Mais je pense que là, c'est les derniers. Hein. Fais voir. Ouais, ouais, une, deux minutes peut-être. Mais à peine plus, tu vois. Je pense qu'on est bien là. Ok, peut-être 2 minutes 30. Mais vraiment juste pour faire large. Hein? Moi, je trouve que c'est bien. 2 minutes 30. Pour faire large. Pour se donner le temps de bien faire les choses. N'est-ce pas? Faut être minutieux dans ce travail. C'est important. Quand on purifie les machines, qu'elles soient bien purifiées. On va pas bâcler le travail. On n'est pas comme ça, nous. Par contre, il n'y a rien qui se nettoie, là. Qu'est-ce qui se passe? Que me faites-vous? Cela suffit. Ah, merci. Premier canon, nettoyé. D'accord. Et le deuxième canon... Non, il est dégueulasse, le deuxième canon. J'ai rien dit, il est nettoyé. Maintenant... si je... Ouais. Voilà. Ok. Et ensuite... Le blindage. Le blindage... J'ai pas la bonne vue. Je m'en rends pas compte. Ça se trouve, j'ai pas la bonne vue depuis 15 minutes. Et je m'en serais pas rendu compte. On a terminé pour 17h40, ça va. Eh, hey, franchement, ça va, 40 minutes pour la mission numéro 1. Moi, je trouve que c'est ok. C'est respectable. C'est un temps acceptable pour une première mission. 40 minutes, finalement. N'est-ce pas? Moi, je trouve que... On s'en est bien sorti. Je pourrais rajouter sur mes qualités en tant que personne que j'ai vraiment la rapidité exemplaire d'une personne qui sait ce que c'est de pas avoir le temps dans la vie et qui du coup totalement elle est rapide pour son employeur quand on lui donne des missions, n'est-ce pas? Attends, où est la crasse? Elle est là. Ouais. Ensuite, elle est où? Ah, mais elle est partout, en fait. Magnifique. Ok. Ensuite, le blindage. Le blindage, il est nickel. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, il est pas nickel. Oh non, ça va être là-haut. Non. Où est le problème? Je ne vois pas le problème du blindage. Ah, il est là-haut. Peut-être. Peut-être bien. Merci, Vetemai. Merci pour le 15e mois. C'est un jeu pour maniaque, ouais. Totalement. Totalement. Oh, c'est là. Oh, c'était là, incroyable. Ok, 95% nettoyé. C'est ok. Tout va bien. Il nous reste donc le blindage de la chenille externe, bien évidemment. Bien évidemment. Et pour ça... Ah non, il nous reste aussi sûrement la chenille en elle-même. Il est vrai. Alors. On va faire les petits détails. Parce que tout est dans les détails, bien évidemment. Toujours tout dans les détails.
Ok. Les petits détails, ils sont là. En 30 minutes, ouais, voilà. Ouais, 30 minutes. Moi, je trouve que c'est acceptable, 30 minutes. Vous avez vu, vous étiez là, de toute façon, il s'est passé à peine 30 minutes. Depuis le début du live. N'est-ce pas? On est tous témoins. Moi comme vous, vous comme moi. Tout le monde. Ok. On est bien. Ça n'a rien fait. Ah mais non, c'est parce que c'est l'autre côté, évidemment, bien sûr. Non, ça n'a rien fait, non. Voilà. Ouais, on est bien, on est bien. Il doit rester 10% à peine. Et je pense qu'ils seront derrière. Parce que là, c'est des détails, ce qu'il y a là-dedans. C'est du détail. Ah, il y a un truc là. Pas comme si dans 20 minutes, on va manger. Non. Ah, mais c'est là, en fait, ce que j'ai pas fait. Là. Normalement. Ouais. Blindage de chenille externe. Oui. Oui. Oh, il reste 1 mm. Peut-être de l'autre côté. Ou alors les détails. Attends, on va voir de l'autre côté avant. Est-ce que j'ai tout fait de l'autre côté? Non! Il manque ceci! Ouais. Ce côté-là. Va falloir remonter, hein. Est-ce que j'ai tout fait en haut aussi? Ouais, j'ai tout fait en haut, hein. Ouais, jusqu'au moindre petit recoin. Vite fait. Après, il reste vraiment pas grand chose, mais. Il faut être perfectionniste. Est-ce que c'est vraiment tous ces trucs là? Tous les petits trucs comme ça là? À nettoyer? Non, il doit manquer un truc quelque part. Infernal cylindre Aida. Il faut qu'il soit parfait. Hein. Il faut qu'il soit absolument parfait. Il y avait un truc sur cette marche. Est-ce que de l'autre côté? Non. La perfection est rudimentaire. C'est obligatoire. Non, ça c'est la chenille tout court. Ah, peut-être là. Alors peut-être. Non. Il manque vraiment pas grand-chose, hein. Je me demande où c'est. Pourtant, on l'a fait de l'autre côté, je sais. Attends, j'avais pas la bonne vue depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, peut-être ça. Attends, je regarde, y a rien qui brille de fou. Ça, là, là-haut. Là. Parce que ce qui brille énormément, c'est la chenille, bien évidemment, en elle-même. Cependant, ici... Non, mais il me dit qu'il reste quand même un bon 4%, quoi. Ah, la marche? La marche? Ouais, ça aussi. Là? On y arrivait, hein.
au moindre pourcentage près, nous pouvons le faire. Non, il reste encore des trucs. C'est que j'ai loupé un spot, hein. Où est-il ? En bas, les rebords. Ah ouais ! Il y a deux rebords ! Ici ! Il y en a un là, et un là. Ce n'est pas assez, il y en a un autre là. Là. Il reste 1% la vie de moi. Comment ça? Non mais c'est pas possible. Elle est parfaite. Il est parfait ce blindage. De quoi me parles-tu? Tout va bien. Tout va bien. Tout est parfait. Tout est exceptionnel. On a réussi. Maintenant, la chenille. La chenille. Ok. Ce n'est pas encore la fin. Parce que maintenant, il nous faut la chenille en elle-même. Totalement. Merci beaucoup, Xenon. Merci pour le 11e mois. Merci. Alors. Ok. Ça, on avait fait, mais on n'avait pas besoin de faire tous les recoins. Hein. Parce que l'autre côté, elle s'était validée vite. Mais là, va savoir. J'ai eu besoin de faire tous les recoins. Voilà. On va voir une fois qu'on aura fait ça. On en est à 98%. We can do it. We can do it. Ah, non, ça c'est l'interne. Très bien. Bonne soirée Kylie, merci d'être passée. Bon apéro. Incroyable. Quel joli mardi soir. Alors... Voyons voir cette chenille. Je vais remonter là-haut. Ah mais là on a quasiment terminé. 99%. 99%. Attends, non. Oui. Oui. Je vais encore galérer pendant 1000 ans avec la chenille là. Vraiment. Il y a d'autres... C'est quoi ça? Blindage du moteur. Protection d'induction de carburant du moteur. Pourquoi j'ai pas vu ça avant? Quel est ceci? Quel est ceci? Ok. C'est nettoyé en tout cas. Magnifique. Ensuite la chenille. Voilà. Quasiment fini. L'autre côté, je l'avais fait moins bien. Moins bien. Seulement 2h30 pour un véhicule. 2h30, moi, franchement, je trouve que c'est... Attends. Ah! Ah, on a donc le problème que j'avais dit qui pouvait arriver. Oh, il nous manque 4 trucs. Oh bordel. Cadre de la trappe d'assaut. Je peux les sélectionner? Blindage de la chenille interne. Si je les sélectionne, il me les montre ou pas? Non. Il y en a 3? Comment ça, il y en a... Non, il y en a 4. Mais c'était pas logique. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Si tu sélectionnes, ça brille. Ah! Oh, merci le Seigneur. Voilà. Merci l'Empereur, je dirais même. Ok. Ensuite, trappe de blindage de chenille. Ouais.
Je sens que ça va être là-haut, ça. Attends, c'était où? Attends. Non, non, je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Pourquoi est-ce que je vais si lentement? Ah! J'avais pas fait l'autre. Fort bien. Elle était à 98%. J'aurais dû rester là-haut. J'imagine que c'est les escaliers. Non. Ah non, c'est le côté des escaliers. Waouh. Ok. L'autre côté aussi, j'imagine. Non. J'ai du mal à voir. Il est censé avoir encore un truc là? Faut que je remonte. Ah là. Ça. Amen. Ok, il reste un truc. Ok, ok. Ok, on a tout fait. Cadre de la trappe d'assaut. 99%. Je ne sais plus où c'était. Là. Oh là là. C'est le dernier truc. Il reste juste ça. Et normalement, c'est bon. Oh là! Nous avons réussi la première mission! We can do it! 19h35. Ouvrez la tablette pour continuer. Oui! Oui! C'est donc possible! Incroyable! Oh, regardez-moi ça! Ça, c'est moi! Oh là là! Regardez-moi! Oh là là! Magnifique! Magnifique, là j'étais derrière, on voit rien. Quel beau travail. Ah, je me le remets. Pour la beauté. Magnifique. On a fait tout ça. Magnifique.